Francis et moi, nous sommes amis depuis longtemps, nous nous connaissons car nous sommes originaires de cette belle région de du sud de la France, qu'on appelle la Provence. Bon, alors ce soir, on va faire un bon plat de Provence qu'on appelle, chez nous, c'est la spécialité, c'est la pizza pomme de terre. Voilà. Il faut pas la faire trop glace, eh. Il faut qu'elle soit un peu réchauffée, hein. Il faut que la pâte elle est gonflée un peu au chaud, eh. Parce que nous, il fait chaud là-bas en Provence. Alors, après, on pourra boire ça avec un petit rosé. Lui, bien glace, le rosé, d'accord. Alors, je vais la préparer, la pizza, d'accord. Je reviens. Tous les deux, nous sommes dans la Provence. Cette belle région où la spécialité culinaire, c'est la pizza. Voilà, bonne pizza pomme de terre de chez nous, voilà. Et ben, il faut la pâte à pizza pour la pizza pomme de terre. Et dessus, et ben, tu mets de la crème. Voilà, la recette elle est facile. Eh, regarde bien, pour avoir une bonne pizza aux pommes de terre, il faut de la crème, de la bonne crème fraîche de Provence. Voilà, tu la mets comme ça, faut pas hésiter. C'est tellement léger, c'est tellement bon. Voilà, alors donc, après, quand tu as bien mis de la crème partout sur ta pizza pour mettre pour la pizza aux pommes de terre, hein, voilà, tu fais bien comme ça, d'accord. Voilà, tu mets pas de sauce tomate, hein, ici en Provence, jamais on met de sauce tomate, ça va pas. Voilà, quand tu as fait ta sauce, tu mets après, tu prends tes lardons, tes oignons que tu as cuits un peu pour que ça rentre de leur flotte. Sans graisse, il y a de la graisse pleine des lardons. Voilà, tu te l'étales tout ça par-dessus la pizza. Ça, c'est la vraie pizza pomme de terre de chez nous. Hein. Bien typique Provence. Provence, bien provençal. Donc, voilà. Voilà. Je reviens, je vais mettre les patates. La vraie spécialité de chez nous, en Provence, c'est la pizza. Et je dirais même plus, c'est la pizza avec les pommes de terre, qu'on appelle tout naturellement la pizza pomme de terre. Alors, quand tu as mis tes patates, là, pour la pizza pomme de terre, tu mets les patates, hein, sur la pizza, là, sur la préparation, là, avec la crème et tout ça, là. Et bien après, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, on a un fromage bien typique là, de Provence pour mettre sur la pizza pomme de terre. C'est le Saint-Nectaire. Voilà, un beau Saint-Nectaire. On va enlever un peu de peau. Et je reviens. Voilà. On se régale. On mange une pizza pomme de terre. On se régale. Franchement, on se régale. Tiens, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je t'appelle. Je dis, qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu manges une pizza. Moi aussi, je mange une pizza. Tu manges une pizza avec pomme de terre. Ah ouais, je mange la pizza pomme de terre. Ah voilà, quand t'as préparé ton fromage typique d'ici, là, un bon Saint-Nectaire, fermier, voilà. Tu le mets juste par-dessus tes pommes de terre. Comme ça. Qu'il y en a un peu partout. Et là, ça a le bon goût de la Provence. La pizza pomme de terre. Et on va rajouter un peu de mozzarella, je reviens. Tiens, Francis, qu'est-ce que tu fais ce soir? Oh, j'ai le téléphone. D'accord. Oh, j'ai pas le téléphone, j'ai fait le numéro, j'ai pas le téléphone. Attends. Oh, Francis. Attends, faut que ça sonne. Ah ouais. Ding. Ouais. C'est toi? Ah ouais, c'est moi. Oh. Bon, alors je décroche. Ah ouais. Je ne pas ça, n'importe qui. Alors, tu as bien raison. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Moi, j'ai mangé une pizza pomme de terre. Attends, j'ai une pizza pomme de terre. Tu manges une pizza pomme de terre. Ah bon? Ah, tu as mangé une pizza pomme de terre. Ce soir? Ouais, ce soir. Est-ce que tu viens avec moi manger une pizza pomme de terre? Ouais. Je mange une pizza pomme de terre. Voilà, pizza pomme de terre, notre bon plat régional provençal, elle va passer au four maintenant. Voilà, et après on va la ressortir, et voilà. Bon, tout à fait sérieusement, c'est vrai que c'est pas un plat pour les grandes soirées d'été dans le sud, hein. Mais bon, en fait ça fait vaguement penser à la tartiflette, hein. Sauf que c'est je vais appeler ça une pizza tartiflette.
Voilà, je refilmerai un petit peu à la sortie du four. Bon appétit. Ah, tu te rires, là ouais. Qu'est-ce que tu fais ce soir, Francis? Tu manges une pizza pomme de terre? Ouais. Ah, super. Ça me régale. Ah, ouais. C'est ça, bon. C'est bon. C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. C'est un rosé de Provence. Un petit rosé qui pousse dans la pinelle qui est bon. Il faut le boire frais. Ah oui, il faut le boire frais. Ça se boit frais. Ça se boit très frais. Ça se boit très très frais. Très très frais. Ça se boit excessivement frais. Excessivement frais. Sinon, c'est dégueulasse. Bah, la pizza pomme de terre, ici, en Provence, on la mange comme ça. Pas glace, hein, pas glace, bien chaude. Bien chaude, comme il faut. Voilà, c'est-à-dire comme ça. Et voilà, et on peut y aller. Et à part la blague, je vous souhaite bon appétit. Ça sent super bon. Bon appétit.